Cédric, en un mot, que vous inspire HEC ? Alors si je dis jeudi, ça va faire mauvais genre, donc je vais dire que c'est ce qui m'a formé. Trois qualités pour devenir un leader dans la tech. Il faut avoir de la chance, il faut beaucoup travailler et il faut être bon dans les relations humaines. Faut-il préférer la bienveillance à l'exigence ? Je vais répondre avec ce que dit Jack Welch, qui est un des patrons historiques de General Electric, qui disait « Entre un team player et un type qui est super fort, faut toujours choisir le team player. » Faut-il rêver de devenir riche ou connu ? Je pense que les deux sont, enfin les deux pourrissent la vie. Je pense que c'est une bonne question. Faut faire les deux. Un conseil fondamental à passer aux étudiants d'HEC. Faites du code. Le but c'est pas d'être le meilleur codeur, le but c'est de comprendre la grammaire. Et dans un monde qui est de plus en plus régi par le code, si on comprend pas la grammaire du code, quand on voit ce qui se passe avec ChatGPT, etc., je pense qu'on manque un truc et qu'on peut pas être au top si on sait que pas ça.